Bien, bonsoir à toutes et tous. Et puis, bienvenue pour cette dernière conférence de l'année 2023 et la deuxième du cycle Mutation du Monde, donc, qui est organisée avec l'Université de Poitiers, avec Nicolas Beck, qui est biologiste à l'Université, Régis Barrault et Philippe Venier, qui sont géographes, également à l'Université de Poitiers. Donc là, c'est le deuxième rendez-vous que nous donnons dans le cadre de ce nouveau cycle. Le premier, c'était une conférence avec l'historien des sciences Christophe Bonneuil sur l'Anthropocène. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas pu être là, la vidéo a été mise en ligne aujourd'hui. Donc, sur la chaîne YouTube de l'Espace Mondes France, n'hésitez pas à y aller et à le repartager. Et donc, ce soir, pour ce deuxième temps, donc, sur les questions liées à l'environnement, nous avons souhaité aborder la problématique de la préservation et dégradation de l'environnement et l'envers du décor. Et donc pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir donc Sébastien Caillot, qui est à la tribune, qui est maître de conférence en géographie à l'Institut Agro d'Angers, et en visio Denis Gauthier, qui est géographe, géographe et directeur régional pour la Méditerranée au CIRAD, donc qui est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Et donc l'un et l'autre ont leur terrain en Afrique de l'Ouest, il me semble. Donc ils vont pouvoir nous parler un petit peu par rapport à ces questions finalement de préservation de l'espace, de l'environnement et des enjeux en fait sur le terrain et de société. Et donc pour animer cette rencontre, donc c'est Philippe Venier qui va faire un petit point d'introduction et puis animer les échanges entre nos deux intervenants, avec bien sûr vous aurez la possibilité d'échanger avec eux directement. Merci beaucoup par avance. Ça marche, il marche, c'est bon. Bonsoir à vous toutes et tous. L'envers du décor. Et si décarboner notre économie monde, et si protéger l'environnement, et si faire cette transition écologique, environnementale, protéger l'environnement, etc., qui est finalement une injonction des pays puissants, des pays du Nord, et s'il n'y avait pas des conséquences délétères, c'est le mot à la mode aujourd'hui, dans les pays du Sud, peut-être pas tous. Bref, l'idée, c'est vraiment dans une vision des rapports Nord-Sud d'analyser, enfin de proposer des réflexions vues des pays du Sud à travers nos deux intervenants ce soir. Toute notre décarbonation, etc., avait des effets négatifs, ou quels seraient les effets dans ces pays du Sud. Voilà, donc c'est le thème, c'est l'idée. Donc ces deux intervenants, alors on va avoir trois, quatre thèmes, ça va dépendre du temps que vous prenez, après il faut qu'ils soient libres, qu'ils aient un peu de temps d'exprimer leurs propos. Deux, trois thèmes sur approche non exhaustive, bien évidemment, de ces questions-là. Donc un premier thème, on en a déjà parlé avec Denis et Sébastien. Qu'en est-il donc de... Le premier thème, ce serait la question des modifications des pratiques agricoles. On pourrait y intégrer aussi, les questions dans les questions d'environnement, réduire l'utilisation, voire même éliminer l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques de synthèse. Enfin voilà, il y a une forte injonction des pays du Nord, même si ça bloque chez nous, hein, vous avez entendu ces dernières histoires sur le glyphosate à l'Union européenne. Mais voilà, donc qu'en est-il déjà dans les pays du Sud concernant les nouvelles ou des pratiques agricoles ou les injonctions dans les pratiques agricoles, et en particulier concernant nos deux intervenants en ce qui concerne les espaces forestiers, avec cette histoire de bilan carbone, cette histoire de marché du carbone, etc.
Donc ce sera un premier thème sur ces questions d'espace naturel, transformation des espaces naturels par les grandes volontés des pays du Sud. Ok. Est-ce que, avec la vision, on va essayer de s'arranger peut-être avec Denis. Est-ce que tu veux commencer, Denis, ou est-ce que tu veux que, voilà, comment tu vois les choses à distance? Est-ce que tu as entendu aussi l'introduction de... Non, j'ai très bien entendu, oui. Tu as bien entendu? Oui, tout à fait. Ok. Oui. Je te laisse parler peut-être sur les forêts, toi qui es un spécialiste des forêts quand même. Non, si vous le permettez, je vais peut-être commencer par dire d'où je viens et ce qu'est le CIRAD, parce que ça me paraît important pour ce propos. Le CIRAD va fêter ses 40 ans cette année. On est le Centre international de recherche agronomique pour le développement. Et son histoire n'est pas anodine. Si on a commencé en 1984, c'est qu'on est né de la fusion d'un certain nombre d'instituts techniques qui étaient dédiés à la mise en valeur des colonies. Donc c'est quelque chose, c'est évidemment un fait de mondialisation. Et donc l'histoire du CIRAD, c'est d'abord tout un tas de petits instituts qui s'appelaient l'IRHO, pour Institut de recherche pour les huiles et oléagineux, l'IRCC, Café Cacao, etc., etc. On a fait quand même notre chemin depuis. Et aujourd'hui, on a un institut de recherche finalisé au service du développement. Ça veut dire qu'on essaye d'accompagner les pays, notamment tropicaux et méditerranéens, dans des transitions, des transitions agronomiques au travers de l'agroécologie, je pourrais en dire un petit peu plus là-dessus, et des transitions écologiques également. Donc, pour ce premier thème, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique est pour certains pays potentiellement totalement autosuffisante en alimentation, mais que justement l'effet de colonisation, l'histoire de l'Afrique a fait que ces pays sont souvent très dépendants d'importations pour des produits manufacturés dont ils ont pris l'habitude. Un exemple qui peut peut-être vous parler, alors je suis désolé, je ne vois pas l'auditoire, je ne vous verrai pas réagir éventuellement, quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je vivais au Mali, c'est qu'il y a eu des émeutes de la faim un peu partout en Afrique. Et au Mali, ces émeutes de la faim se sont faites parce que la baguette de pain, enfin les boulangers libanais, avaient augmenté la baguette de pain de 100 francs CFA à 125 francs CFA. Tout le monde est descendu dans la rue. Le blé n'est pas une culture, à part dans le Grand Nord, chez les Touaregs, n'est pas une culture au Mali. Et les gens se nourrissent essentiellement de sorgho, de mil, de maïs, éventuellement un peu de riz qui vient de l'office du Niger. Et ça m'a beaucoup marqué parce que ça voulait dire simplement que tous ces pays-là étaient finalement inféodés à un système alimentaire qui leur avait été en partie imposé, en partie qu'ils avaient choisi, mais qui fait partie quand même de cette histoire alimentaire de ces pays-là. Et donc même si ces pays sont aujourd'hui, pour la plupart, hein, je pense notamment aux pays côtiers, là où il y a quand même des ressources en terre et en termes d'eau qui sont importantes, potentiellement autosuffisants, malgré tout, à la fois la démographie très importante, vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique va doubler sa population d'ici 2050, qu'on va passer d'un taux d'urbanisation de 30% aujourd'hui à 50% avec tout ce que ça veut dire en termes d'approvisionnement des villes. Et aujourd'hui, ces pays-là sont dans une course à la terre, et une course à la terre qui est d'autant plus importante qu'il y a cette croissance démographique et qu'il y a également un appauvrissement des sols. Et l'appauvrissement des sols, il est lié au fait que les gens cultivent souvent les mêmes endroits, proches des villages, etc., et qu'il y a de plus en plus de compétition sur les terres périphériques. Voilà, et dans ce contexte-là, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas une injonction de la part des pays du Nord de ne pas utiliser de produits de synthèse, à la fois pour les engrais et les pesticides, mais tout est fait pour accompagner ces pays néanmoins vers une transition agroécologique qui est plus compatible avec également des systèmes alimentaires durables et également la santé. Alors j'imagine que l'auditoire aussi est familier à ce qui est une seule santé, une santé pour les humains, pour les animaux et pour les écosystèmes, pour les plantes et les écosystèmes.
Et donc aujourd'hui, en fait, cette injonction, ce qui n'est pas tout à fait une injonction, ce qui est un accompagnement par les organismes de développement de cette transition agricole, elle a du mal à se faire tout simplement parce que les gens, ils n'ont pas encore atteint et le niveau de production agricole et le niveau économique pour se permettre cette transition-là. Et par ailleurs, il y a quelque chose qu'on constate aujourd'hui grâce aux recherches, notamment du CIRAD, c'est que les sols qui sont très pauvres aujourd'hui, qui ont été paupérisés, se sont appauvris aussi en termites, en nématodes, en collemboles, etc. Et que parfois, il y a besoin d'un peu d'engrais, y compris chimiques. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 4% de l'utilisation des inputs au monde. C'est absolument ridicule. Et il y a besoin quand même d'un petit push pour permettre de relancer ce qu'on appelle la santé des sols, c'est-à-dire de faire revenir de la biomasse, grâce à cette biomasse, d'avoir une microflore et une microflore des sols qui permettent de rentrer dans un cercle vertueux et de pouvoir envisager éventuellement la possibilité d'une transition agroécologique. Voilà, j'étais un petit peu long, excusez-moi, mais voilà, je voulais développer ce point-là en particulier. Oui, donc je peux rebondir un petit peu aussi sur les contextes, un peu pour aller dans le même sens que ce que Denis Gauthier a abordé. C'est que quand on va parler dans les pays du Sud un peu, les expériences qu'on a, Denis et moi, on a surtout travaillé que sur des pays sahéliens et soudano-sahéliens, on dit, c'est-à-dire, en gros, il pleut 1000 mm par an maximum. C'est des endroits où finalement, qui ne sont pas l'Afrique forestière que certains pourraient se représenter. Donc je pense qu'on va surtout parler de ça ce soir. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas parler d'autres éléments, mais dès qu'on va parler de préservation de l'environnement, très souvent, on a la représentation de la forêt tropicale, équatoriale, qui concentre énormément d'enjeux environnementaux, et à juste titre. Mais n'empêche qu'en termes de population, etc., la majorité de la population va se trouver dans les villes, dans les zones sahéliennes, soudaliennes, où là, en fait, il y a vraiment des enjeux, qu'on dit aujourd'hui dans le terme transition, qui sont extrêmement importantes. Et dans ces éléments, il y a la question effectivement des sols, la dégradation des forêts qui est assez importante parce que comme il y a une augmentation de la population assez importante, il y a aussi une évolution des systèmes agricoles extrêmement forte. Alors des exemples que je peux donner, c'est par exemple pour l'ouest du Burkina Faso, il faut imaginer dans les années 60, c'était 5 habitants au kilomètre carré et on est passé aujourd'hui, on est à 70-80 habitants au kilomètre carré. Donc vous pouvez imaginer comment, en termes de terre, il faut s'adapter. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la course à la terre. Il y a beaucoup de migrations qui sont arrivées, à la fois parce qu'il y a eu des taux de natalité, avancée de la médecine, recul des maladies, des migrations aussi qui venaient liées à des grandes sécheresses des années 70. Et donc, dans ce bassin de l'ouest du Burkina Faso, Bobo Dioulasso notamment, où il y a une augmentation de la population énorme, ça veut dire qu'à un moment, la terre est réduite. Donc, il faut réussir à intensifier les pratiques. Donc, c'est aussi ça l'enjeu actuel. Quand on parle, ça pourrait paraître contre-productif, quand on est dans les pays du Nord, dire intensifier, on va aller vers la dégradation des sols, etc. Ben, c'est un vrai enjeu pour avoir une certaine autonomie alimentaire qui est aujourd'hui acquise quelque part, mais qu'il faut essayer de conserver justement avec ces diminutions de la fertilité des sols, etc. Alors dans cette idée-là, peut-être dans ces tables rondes, dans les exemples que moi j'aime bien donner aussi aux étudiants, c'est dans les représentations où l'intérêt d'aller étudier les Suds, c'est aussi que ça nous donne à voir d'autres choses chez nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la préservation des ressources naturelles, sur l'élevage, c'est une catastrophe, faut pas trop manger de viande, etc. Il faut bien se rendre compte qu'il y a une alliance très très forte dans les systèmes agricoles en Afrique de l'Ouest entre l'élevage et puis les cultures. Parce que, là, on dit, avant, c'était deux sociétés qui étaient assez séparées entre les éleveurs d'un côté, des sociétés peuls, Touareg, etc., qui avaient surtout le bétail, et puis de l'autre côté, des sociétés plutôt sédentaires, cultivatrices, qui auraient les céréales, etc. Et ces deux manières de fonctionner maintenant, on va dire, fusionnent pas mal dans le côté agropastoralisme. Pourquoi ? Parce que le fumier, avoir des bêtes, c'est aussi avoir du fumier, et c'est aussi permettre d'augmenter et d'intensifier sa production. Donc il y a énormément de choses qui sont en train de se jouer. À l'ouest du Burkina Faso, c'est pas si vieux que ça, mais ce mouvement-là, l'acquisition du bétail, etc., c'est des années 90, ça arrive, etc. Depuis longtemps, il y a des migrations, hein, bien sûr, mais l'arrivée du fumier, etc., des intrants, c'est quelque chose qui n'est pas si vieux que ça, et qui, on ne va pas juger c'est bien, c'est pas bien, etc., mais c'est vraiment ça qui est en train de se jouer actuellement dans l'évolution et dans l'accompagnement des transitions agroécologiques là-bas.
Ouais, juste peut-être qu'on peut dire un mot, hein, Sébastien, sur les pays forestiers quand même. Hein. Oui. inversement, en fait, aux pays, on va dire, sahéliens, qui sont relativement fortement peuplés, on est très loin, évidemment, à des densités qu'on peut observer en Indonésie ou ailleurs. Mais pour ce genre d'écosystème, c'est un peuplement qui est fort, comme l'a dit Sébastien. Les pays côtiers, eux, sont en général plus faiblement peuplés, et en particulier les pays du bassin du Congo. Ça veut dire que ce qui se joue là, aujourd'hui, qu'on est rentré, comme l'a dit Philippe, dans un commerce, d'une certaine manière, hein, du carbone, et que les pays industriels, pollueurs, ont décidé d'une certaine manière de s'appuyer sur ces pays forestiers, dits les grands poumons verts de la planète, donc en particulier l'Amazonie et le bassin du Congo, puisque l'Asie du Sud-Est a quand même pas mal été déforestée déjà. On s'appuie là-dessus en payant ces pays pour qu'ils retiennent leur défrichement pour l'agriculture. Alors, dans des pays comme le Gabon, ça peut passer parce que le Gabon a toujours surestimé le nombre de personnes qu'ils étaient. Ils sont moins d'un million, ils ont suffisamment de surface. Et par ailleurs, c'est un pays qui est extrêmement extraverti, là où il y a beaucoup de pays de produits qui viennent de l'étranger. Mais ce qui se joue, c'est quand même, pour la majorité de ces pays, je pense notamment à la RDC, là où il y a quand même beaucoup plus d'habitants, quand on discute une baseline à partir duquel on va diminuer la déforestation, etc., qu'on a le Brésil et la RDC et la République démocratique du Congo à la table, ce n'est pas du tout le même discours. Certains, comme le Brésil, ont déjà quasiment déforesté tout ce qu'ils pouvaient déforester. D'autres, comme la RDC, n'ont pas commencé. Et ce que demandent ces pays, simplement, c'est laissez-nous déforester ce dont on a besoin aujourd'hui, compte tenu de notre population, pour pouvoir produire suffisamment de produits agricoles. Voilà, et donc il y a quand même une grosse tension dans ces pays qui sont pour l'instant relativement peu peuplés, à part, j'ai cité quand même l'exemple de la RDC, et à qui on demande finalement, au nom de l'intérêt collectif, intérêt collectif qu'on n'a pas vu trop s'exprimer depuis le triangle des esclaves et de la colonisation, enfin c'est un petit mot en passant, mais cet intérêt collectif aujourd'hui, ben, on leur demande simplement, ben, écoutez, on est prêt à vous payer pour que vous ne fassiez rien avec votre forêt. Et ça pose quand même une question éthique globale venant de pays comme le nôtre, par exemple, qui a vu, avant d'être un pays forestier relativement important d'Europe de l'Ouest, et grâce notamment aux moines, qui a complètement déforesté l'ensemble de son pays pour le rendre agricole. Quoi. Voilà, et cette tension, on l'observe un peu moins quand même dans les pays sahéliens, enfin les pays, disons, partant de Dakar jusqu'à Djibouti et ensuite dans les pays d'Afrique australe, hein, à partir de la Zambie jusqu'au Cap. Alors c'est moins présent, c'est d'accord, c'est d'autres enjeux, mais pour donner un peu des exemples aussi, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup du marché carbone, mais dans les années 2000, dans beaucoup d'États, notamment en Côte d'Ivoire, Burkina, il y a eu les fonds d'ajustement structurel quand même qui ont été assez forts en lien avec le sommet de la Terre 92, etc., où en fait, il y a eu des contrats qui ont été passés avec les États pour libéraliser certains services dans les pays et notamment pour retrouver en fait, des taux d'occupation de terres en espace naturel à 11 ou 15%. Donc c'était 14% pour le Burkina Faso, par exemple. Et dès les années 2000, il y a plein d'anciens périmètres de protection de la forêt donc, qui ont été au départ administrés par l'État colonial français, donc le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, toute l'ex-AOF. Et en fait, dans ces années-là, on s'est rendu compte, avant le marché carbone, donc dans ces contradictions, de ces tensions finalement entre enjeux de développement, d'agriculture familiale hein, en grande partie, hein, ce n'est pas forcément des grands groupes, etc., mais des tensions finalement entre aller à la défriche, ouvrir des nouveaux champs, ouvrir un peu la rente pour avoir la trésorerie, pour accéder à l'éducation aussi pour les enfants. Il y a ces enjeux-là qui sont derrière tout ça. Et puis de l'autre côté, des injonctions pour aller protéger un pourcentage de forêt, etc. Et donc, ça s'est traduit par certains endroits. Donc, le grand parc du W, par exemple, Niger, Burkina Faso, Bénin, il y avait des parcelles à certains endroits qui ont été déguerpies. À l'ouest du Burkina Faso, ça a été la même chose. Donc, il faut bien se rendre compte, voilà, dans ce que disait un peu Philippe, il y a dans ces éléments des choses qu'on pourrait trouver louables de loin, mais qui, en fait, vont restructurer les paysanneries localement. Et avec des relocalisations de villages qui se sont faites
de manière assez forte dans certains endroits et qui ne sont pas si documentés que ça, mais qui laissent des traces malgré tout dans les populations localement, quoi. C'est bon, messieurs. Sur, si oui. Ça te va. Alors, de mon point de vue, hein, je ne sais pas si c'est possible, mais que la salle n'hésite pas à intervenir. Oui. Si les propos ne sont pas clairs ou demandent à être développés. On peut. Oui. Moi, je vous. Voilà, bon, vous avez évoqué ce premier point. Bref, tout ça, ça soulève des questions de. Est-ce qu'il y a des modifications en profondeur des structures foncières? Et ça soulève également la question de la gouvernance à l'échelle locale, à l'échelle, je sais pas, aux différentes échelles. Bref, Philippe, Denis, tu as évoqué ces questions de structure foncière. Voilà, qu'en est-il de l'évolution de la propriété ou des structures foncières ou du foncier? Et puis des gouvernances locales, nationales, voire éventuellement les grandes institutions internationales, quoi. Ouais. Ouais, je peux réagir à ça, là, Philippe. Il y a un exemple que j'aime bien, parce qu'en fait, bon, évidemment, Sébastien a parlé des plans d'ajustement structurel qui n'étaient pas particulièrement, enfin, je veux dire, dans la mouvance de la pensée écologique à ce moment-là. C'était plus de faire maigrir des États que notamment tout à fait les associations de Bretton Woods trouvaient trop gras. Bon voilà, ça c'était un point. Je veux dire, après, ce qui est intéressant, c'est que avant la prise de conscience, enfin au début de la prise de conscience du climat, il y a eu toute une envolée de la pensée et des actions autour des biocarburants. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, on voulait faire de l'Afrique un endroit là où on produisait des biocarburants, évidemment, entre autres pour l'Europe. Donc, Total, enfin, tous les grands groupes s'y sont mis. On était dans les années 2006-2007. Ouais. Et ce que j'ai trouvé absolument bluffant, de mon point de vue, j'étais à ce moment-là à Bamako, c'est que ces grands groupes considéraient que l'Afrique était une terre vide. Et apprendre comme au bon temps de la colonisation. Et donc, en fait, on a eu à travailler, enfin, à être approché par Total pour voir où est-ce qu'on pouvait mettre des nouvelles plantations d'une plante qui s'appelle le jatropha, qui est une plante oléagineuse qui permet de faire du biocarburant. Et ça, c'était au mépris de toute considération sur le tissu foncier qui s'était créé depuis des millénaires dans ces espaces-là, quoi. Et en fait, ça a été quand même. On en est revenu pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, il y a des groupes industriels, notamment Daewoo, qui a voulu, je crois, alors je ne me rappelle plus exactement des chiffres, je crois qu'on est de l'ordre de 100 000 hectares. Ça accaparait 100 000 hectares à Madagascar. Ce n'est pas passé. Les populations et les politiques ont dû leur endosser le pas, ont refusé cet accaparement de terres. Et ça a été le cas un peu partout. Et par ailleurs, en fait, les gens se sont aperçus que finalement, il n'y avait pas vraiment de plantes miracles. De spéculation, y compris de sous-produits qui permettaient de faire facilement des biocarburants. Et donc, en fait, ça s'est un petit peu passé. Mais voilà, le jeu du développement étant ce qu'il est, le Mali avait emboîté le pas des grands groupes industriels, fondé son agence des biocarburants, voulait être le premier pays d'Afrique pour les biocarburants. Bon, tout ça a fait un petit flop, on en est bien contents. Mais pour répondre à ta question, Philippe, je veux dire, pour moi, les grands mouvements internationaux autour de la lutte contre le changement climatique, etc., affectent peu pour l'instant la petite paysannerie et qui est beaucoup plus, elle, impactée à la fois par la propre croissance démographique, l'appauvrissement des terres, et se tourne vers d'autres spéculations. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit dans des pays que connaît bien Sébastien, même le Sénégal, hein, mais le Mali, le Burkina, le Niger, c'est que ces populations vont se tourner plus facilement, notamment les jeunes, qui ont souvent du mal à accepter que l'agriculture est un travail qui puisse être attractif, hein,
vont se tourner vers l'extraction de l'or ou d'autres métaux. Voilà, mais en termes de foncier, pour l'instant, je suis quand même assez heureux d'avoir constaté que cet élan pour les biocarburants n'a pas impacté par des grands accaparements fonciers qui sont notamment suivis par le International Land Coalition. Peut-être que là-dessus, Denis, ce qu'on peut ajouter, c'est que pour l'Afrique de l'Ouest, notamment le milieu rural, la question foncière, elle est importante. À la fois, elle est une difficulté, je pense, pour les investissements extérieurs, quand même, parce que faut savoir qu'en grande partie, dans les milieux ruraux ouest-africains, alors pas partout, pas les espaces cadastrés, pas la ville, etc., mais en grande partie, on est sur des registres qu'on appelle en France de droit d'usage, c'est-à-dire la terre, en fait, elle est administrée par des villages, voilà, c'est pas forcément un collectif aussi cohérent, etc., mais n'empêche qu'il n'y a pas la propriété privée partout. Loin de là, c'est la terre nous appartient à partir du moment où on la travaille. C'est-à-dire, je travaille une année, je récolte les fruits de cette terre-là, si j'arrête, eh bien, finalement, la terre retourne dans un pot plus ou moins collectif. Ça peut être aussi des familles de notables, etc. Il ne faut pas idéaliser ce système-là. Mais n'empêche que c'est une terre qui n'est pas encore totalement parcellarisée, cadastrée, etc. Ce qui rend parfois cet enjeu un peu de grands accaparements peut-être pas si important que ça actuellement en Afrique de l'Ouest. Et pour boucler en fait avec cette question des biocarburants, j'ai un exemple qui m'est assez cher sur le jatropha. C'est que le jatropha, c'est une plante ligneuse. Donc c'est un oléagineux, etc. Et en Afrique de l'Ouest, dans certaines spécificités, alors ce n'est pas partout en Afrique de l'Ouest, mais quand même Burkina, Sénégal, toute l'Afrique de l'Ouest intérieure, planter un arbre a longtemps été un interdit. C'est-à-dire que planter un arbre dans un village, etc., on a le droit. Par contre, dès qu'on va dans les terres de champs, etc., planter, mettre des pierres, fabriquer quelque chose, c'est s'approprier, individualiser l'espace. Et c'est très, très mal vécu. Donc, c'est rarement fait. Et le jatropha, par exemple, quand il a été expérimenté en 2008-2009 au Burkina Faso, quand on faisait la cartographie des champs qui étaient en jatropha, c'était certaines ONG qui distribuaient ça au Burkina Faso, on pouvait se rendre compte, en fait, à chaque fois, c'était des familles, en fait, qui détenait les pouvoirs au village. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient dans des situations sociales plus fragiles, etc., elles n'avaient surtout pas le droit d'aller planter le jatropha. Donc c'est pour vous montrer aussi la complexité des évolutions dans ces lieux-là. Et avec, effectivement, dans cette complexité, je rebondis sur la dernière phrase de Denis, je pense qu'un des enjeux hyper importants, c'est comment ces enjeux en milieu ruraux, les enjeux agricoles, de préservation de l'environnement, etc., ils sont assez délaissé, je veux le dire comme ça, je ne sais pas si c'est le bon mot, Denis, mais en tout cas, les jeunes, il y a vraiment... rester dans l'agriculture, c'est pour beaucoup d'entre eux une difficulté. C'est-à-dire, on veut partir, on veut partir dans les universités, dans les lycées. Quitter la brousse, ça revient assez souvent, encore aujourd'hui, quoi. Oui. C'est clair, évidemment, les expériences de terrain, c'est des agriculteurs hein, que j'interviewais qui me disaient, mais moi, je veux que mon fils ait un métier. Voilà. Mais agriculteur, c'est un métier. Ah non, c'est pas un métier, ça. Et donc, ça dit beaucoup de choses aussi hein, sur la difficulté à la fois d'être agriculteur et aussi d'ajoindre les deux bouts. Hein. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans les agricultures que l'on connaît, Sébastien et moi, au Sahel, en dehors de un peu de coton et de moins en moins, les gens font du maïs qui commence à rapporter un petit peu, du sorgho et du mil, mais surtout vont avoir des activités secondaires qui vont être, ça peut être de la transformation, ça peut être de l'extractivisme de l'or, ça peut être d'aller couper du bois énergie pour le revendre à la ville, parfois en se levant à 3h du matin pour revenir à 19h chez soi, quoi. Donc c'est effectivement assez peu attractif pour les jeunes, de plus en plus nombreux. Et peut-être, je vais changer un peu de, comment dire, c'est plus tout à fait le thème, mais il faut comprendre que notamment, hein, je veux dire, par rapport à ce que Sébastien disait tout à l'heure sur l'évolution de l'élevage pastoral aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes peules qui sont devenus des bouviers d'agro-pasteurs aujourd'hui, qui étaient des sédentaires, un peu les maîtres des terres, et qui se retrouvent aujourd'hui au chômage. Et ben quand vous êtes en chômage sans aucune perspective,
la voie n'est pas loin pour rentrer dans une forme de rébellion qui peuvent être des forces armées, etc. Et c'est une des clés aussi pour comprendre les conflits aujourd'hui qu'on appelle djihadistes au Sahel. Mais je change de sujet, pardon. C'était un petit mot là-dessus. Non, oui, c'est très bien. Bon, vous êtes tous les deux spécialistes ou du moins vous avez bossé sur les espaces forestiers très spécifiquement. Vous avez jusqu'à présent peu évoqué ces espaces particuliers. Vous avez parlé de l'agriculture, vous avez parlé des structures foncières, etc. Est-ce que vous pourriez chacun nous apporter un éclairage sur ces espaces forestiers ? Alors, c'est peut-être un peu vague. Le rapport à la forêt ou l'utilisation économique de la forêt ou les tensions. Improvisez, les gars. Vous êtes des pros. Ah ben, je peux démarrer si tu veux, Sébastien. Mais vas-y. En fait, juste encore une petite mise en contexte. À l'échelle du globe, la savane, les savanes, c'est 25% de l'espace des terres émergées. Or pourtant, aujourd'hui, tout ce qui est atténuation au changement climatique, adaptation au changement climatique, tous les fonds sont dédiés en fait à la forêt tropicale humide, à ces grands bassins forestiers dont j'ai parlé. Or, la majorité des enjeux socio-économiques, de la pauvreté, de la vulnérabilité au changement climatique, c'est dans les espaces de savane, voire de steppe. Voilà, donc ça veut dire que quelque part, ces espaces qui sont des espaces forestiers, savanicoles, ne sont pas vraiment concernés. On cherche à les embarquer, mais c'est toujours très compliqué d'avoir des instruments de financement de la protection de ces espaces-là. Alors, les gens, où que ce soit, hein, que ce soit dans les forêts tropicales humides ou dans les savanes, ils vivent au contact des forêts et des produits forestiers. Ça veut dire que, par exemple, l'archétype, ça va être évidemment des sociétés comme les sociétés pygmées, hein, qui sont complètement en harmonie avec ces terres-là. Ça va être les sociétés côtières, comme en Côte d'Ivoire, qui ont tiré avantage de cette forêt, notamment grâce au cacao, avec du cacao qui se cultivait sous forêt, de plus en plus en monoculture, mais ils reviennent maintenant à remettre de la forêt dans les cacaoyères parce que c'est beaucoup plus, c'est pas seulement écologique, mais ça permet également d'augmenter la productivité du cacao. Et dans les pays sahéliens, ça va être une promiscuité qui va se jouer notamment pour les éleveurs qui vont y amener leurs bêtes dans ces espaces naturels, pour les femmes qui vont y chercher du karité et un certain nombre de produits alimentaires qu'elles ne trouveraient pas. Et globalement, c'est là également que l'on trouve tout ce qui est le bois énergie qui va alimenter l'ensemble de ces pays sahéliens. Je veux dire, il n'y a quasiment pas d'autre forme d'énergie que le bois énergie. Et donc, un des enjeux aujourd'hui pour ces pays-là, ce n'est pas de préserver la forêt pour en faire bénéficier la planète, mais c'est de préserver la forêt pour préserver la possibilité à la fois de faire chauffer la marmite, de mettre de quoi dans la marmite, que ce soit de la viande ou des produits de la forêt. Donc c'est un enjeu relativement important. Et cet enjeu-là, en fait, contrairement à ce qu'avaient, d'une certaine manière, créé les colons français, hein, qui avaient fait des poumons verts, qui avaient fait un certain nombre... Sébastien l'a rappelé, je veux dire, tout le long de la bande sahélienne, il y a tout un tas de parcs naturels qui n'ont pas bougé dans leur surface, leurs territoires sont restés le même qu'au temps de la colonisation. En revanche, aujourd'hui, là-dedans, c'est mité de champs et c'est des autoroutes pour pasteurs, pour éleveurs, parce qu'ils ne trouvent pas d'autre endroit pour aller que dans ces endroits-là. Donc aujourd'hui, le grand enjeu forestier de ces pays-là, c'est de voir d'autres formes de protection des arbres, qui sont à la fois des arbres dans les parcs, ce qu'on appelle des parcs arborés, c'est-à-dire que dans un champ de maïs, dans un champ de mil, vous allez trouver un certain nombre d'espèces qui sont là
et qui forment, comme en Normandie, comme dans les bocages bretons, bourguignons, etc., des champs complantés d'arbres utiles et également des bois sacrés, un certain nombre de choses qui vont remplacer en fait cette idée qu'il fallait préserver les forêts dans un espace contrôlé, un territoire là où on contrôle à la fois les ressources et les humains qui auraient pu interagir avec. Donc en fait, on est en train de changer de paradigme. Et bon, malheureusement, la doctorante n'est pas allée au bout. Il y avait une doctorante à qui j'avais confié le sujet de voir ce que l'intérêt aujourd'hui des parcs nationaux au Sahel et ce que ça pourrait devenir. Mais pour moi, c'est un sujet qui est toujours sur la table parce que tôt ou tard, il faudra peut-être déclasser ces parcs-là, en faire d'autres, éventuellement sous un nouveau mode. Peut-être sous le modèle du parc des Cévennes, mais des choses qu'ils pourront inventer par eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est un des grands enjeux dans les rapports Nord-Sud, Philippe, que tu donnais, c'est la question de la dénomination finalement des espaces et de ce qu'on a à préserver, pour reprendre le thème de la conférence. C'est-à-dire que tout de suite, on va se dire marché carbone, produits ligneux, forêt. Et en Afrique de l'Ouest, comme l'a dit Denis, je suis pleinement d'accord avec ça, c'est que finalement les enjeux, ils sont dans les forêts tropicales, le Gabon, etc., mais dans lesquels, certes, il y a des enjeux, mais la population, elle n'est pas si importante que ça. Par contre, dans les savanes, dans lesquelles il y a des ressources ligneuses, etc., il y a d'autres espaces à protéger, pas forcément sous forme de forêt, parce que la savane, la définition de la savane, hein, c'est la coexistence de l'arbre et de l'herbe. Et en fait, l'herbe, elle est hyper importante dans ces endroits-là où il y a de l'agropastoralisme, hein, d'accord, donc de la culture et puis de l'élevage, et dans lequel il y a la couverture herbacée. En fait, elle est aussi beaucoup à protéger. C'est-à-dire que cette couverture herbacée, avec l'évolution de l'élevage, certains diraient le surpâturage, mais en tout cas, l'augmentation des densités des cheptels, etc., est parfois menacée. Et donc, ça conditionne vraiment, pourtant, la survie des exploitations agricoles, l'agriculture familiale, là-bas. Et donc la dénomination, le type de protection de l'environnement à faire, elle n'est peut-être pas à calquer comme on l'a fait depuis maintenant un peu plus d'un siècle, mais à réinventer. Voilà, on parle aujourd'hui de la grande barrière verte, vous avez tous entendu parler de ça, je pense, c'est un grand projet, etc. Bon, sa genèse, malheureusement, je vais dire un peu un point de vue peut-être un peu rapide, mais ça court à sa perte quelque part parce que ça reproduit un discours qui existe depuis plus d'un siècle sur l'avancée du Sahara, qu'il faudrait la freiner, que c'est la forêt qui va la freiner, alors qu'en fait, c'est peut-être pas ça qu'il faut freiner, c'est d'autres formes végétales, d'autres manières de faire coexister l'organisation des arbres utiles dans les exploitations agricoles, c'est d'autres formes qu'il faut essayer de trouver plutôt que forcément calquer les modèles qu'on a chez nous pour essayer de protéger, quoi. Et donc ça, je pense que c'est un vrai enjeu pour demain là-bas, quoi. Après, ce qu'on pourrait ajouter, Sébastien, c'est que c'est pas, enfin, je veux dire, comment dire, c'est pas les méchants du Nord versus les gens du Sud, cette histoire-là. C'est que quand même, dans les modèles, il faut comprendre quand même que à la fois la colonisation, la post-colonisation, etc., a fait que certains corps, même s'ils ont été impactés par les plans d'ajustement structurel, notamment le corps des forestiers, est extrêmement réactionnaire et sourcilieux de préserver son autorité, etc. Dès que, enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. Oui. Au Mali, quand il y a eu la révolution de 1991 qui a amené Alpha au pouvoir, Les forestiers se sont cachés. Il y a eu des jacqueries en milieu paysan parce que la seule autorité politique qui était dans les villages, c'était les forestiers, ouais, qui se sont déshabillés. Ils sont revenus en civil. Et ça, ça a duré jusqu'à 2007, là où ils ont repris du poil de la bête. Ils sont réhabillés, regalonnés, réarmés, ce qui n'était plus le cas. Et ils ont à nouveau assumé leur autorité. Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, les plus gros gardiens de ce qui reste des forêts classées ou des parcs nationaux, ce n'est pas l'Occident, c'est les services administratifs de l'État, quoi. Donc c'est juste pour tempérer un peu le propos. Oui, mais je suis d'accord et ce n'est pas contradictoire. Je pense qu'il y a des règles, comme dans tout pays, où les institutions essaient de se reproduire, de se régénérer, etc. Et c'est, voilà, je suis pleinement d'accord avec ce qui est dit, il y a des enjeux aussi au sein des pays sur ces services dédiés à l'environnement, tout comme chez nous, il y a des conflits entre services agricoles, on a parlé du glyphosate tout à l'heure rapidement, et puis ministère de l'écologie, oui, bien entendu,
y compris dans les pays du Sud, il y a aussi ces enjeux-là à l'intérieur des pays qui se jouent et qui sont hyper importants. Après, ce qu'il me semble, c'était là où peut-être où je voulais venir sans être sur la caricature voilà, nord-sud, et je suis assez d'accord avec ce que tu dis, il faut être prudent, mais c'est l'idée qu'il y a des modèles quand même de préservation de l'environnement, je pense qu'ils sont à inventer aujourd'hui dans ces pays-là, sans forcément être toujours partisans des nomenclatures qui sont en grande partie quand même calquées sur certaines représentations des milieux quand même ouest-africains. Et ça, je pense que ça reste quand même assez fort. Quand bien même c'est porté par des personnes, des Burkinabés, des Maliens, etc. Mais je pense que c'est un véritable enjeu. Il y avait un colloque avant-hier, pour donner cet exemple-là, quand même, de cette pensée. À Dakar, la semaine dernière, il y avait un colloque trame verte et bleue. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les trames vertes et bleues en France, c'est un outil juridique de planification territoriale, planification écologique. On va préserver les rivières, les trames vertes, l'écologie du paysage, etc. Bon, à Dakar, il y a eu un colloque là-dessus, universitaire, etc. Et s'est posé la question, mais pourquoi vous faites ça ? Ce dispositif n'est pas dans la loi au Sénégal, quoi. Et donc, ça veut dire qu'on est en train... Il y a quand même des choses qui sont en train de se faire dans la circulation des modèles qui sont en train d'arriver là-bas, qui sont discutées, tant mieux, par des universités, etc. Mais est-ce que c'est toujours là-dedans qu'il faut être dans cette circulation-là voilà, ça pose quand même question. Et pour être, pas dans la caricature, etc., je vais donner l'exemple qu'on a eu tout à l'heure, c'est les modèles, ils circulent de part et d'autre. C'est-à-dire que là, on fait l'idée que pour préserver l'environnement, le discours que je tiens, c'est attention à ne pas calquer des nomenclatures de préservation de l'environnement sur des environnements sahéliens, ouest-africains. Ça peut poser des problèmes. Parce que si on ne se comprend pas, si on ne fait pas le bon diagnostic, on ne va pas répondre aux enjeux. Il faut savoir qu'à l'inverse, il faut être aussi au courant, historiquement, les forestiers de l'administration coloniale française ont expérimenté les grands parcs nationaux en grande partie à Madagascar et en Afrique de l'Ouest avant de les importer en métropole. Donc il y a aussi des choses qui se sont jouées dans notre État, où en découvrant les Suds, en essayant de les administrer, on a importé aussi des choses, des représentations dans les Suds pour qu'ils nous irriguent encore aussi aujourd'hui. Donc ce n'est pas que dans un sens descendant, etc. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on est en train de travailler, qui sont en train d'être actualisées aujourd'hui. Modèle de développement, t'as dit Sébastien. Bon, appauvrissement des sols, augmentation de la population, ne plus être paysan, ne plus gratter la terre, aller en ville, exode rural, etc. Bref, juste une petite question. Comment voyez-vous aujourd'hui et demain surtout il y a un modèle de développement. Tu parlais de trame verte et de trame bleue à l'instant. Donc une transposition des perceptions, des nomenclatures, comme tu disais. Bref, l'évolution de cette Afrique subsaharienne, aussi bien au niveau démographique que mobilité. Voilà, comment voyez-vous un petit peu l'évolution des choses ? C'est un peu vague, c'était pas prévu comme question, mais je sais pas, ça va dépendre du temps. Est-ce que c'est pertinent, Denis et Guillaume, ou est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus ? Sinon, j'ai une autre question. Non, mais c'est tout à fait pertinent, il n'y a pas de... C'est important de se poser des questions, après je pense qu'il faut... Il y a un élément dont on n'a pas encore parlé avec Sébastien qui me semble aussi important, c'est que les... on le voit notamment dans les travaux d'Achille Bembe, etc. Aujourd'hui, l'Afrique, hein, c'est 70% de la population qui a moins de 20 ans, etc. Donc ça, tout le monde connaît à peu près les chiffres. Mais c'est aussi tout un tas de gens qui sont sur les réseaux, quoi. Et qui sont ultra informés. Et donc, du coup... Le modèle de développement, il peut plus penser comme ce qu'on faisait avant, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura forcément une transition numérique qui va aller en Afrique au moins aussi vite que dans les autres continents. Et à partir de là, moi, je suis un peu, comment dire, j'ai vraiment pas trop d'idées, si ce n'est le fait que les modèles de développement d'hier ne s'appliqueront plus demain, quoi. Ça me paraît tout à fait évident, quoi. Et tout ce qu'on peut envisager comme transition, que ce soit transition agroécologique, transition des systèmes alimentaires,
durables pour précautionneuses du climat ne peuvent s'envisager que dans un contexte là où il faudra des créations d'emplois pour une jeunesse de plus en plus nombreuse, parfois pas forcément très bien formée, mais que ces emplois, une partie de ces emplois, devront aller sur le numérique. Ça me paraît évident. Et il me semble que en tout cas, bon, puisqu'on parle de l'Afrique essentiellement, on peut avoir également des surprises, hein, de gens qui pourraient performer dans ce domaine-là, quoi. Là où tout le monde est à peu près, enfin, quasiment sur un pied d'égalité, hein. Ouais, et pour aller dans ton sens, effectivement, le numérique, pour les petites anecdotes qu'on peut donner quand même du terrain, quand on allait dans les espaces vraiment de campagne en Afrique de l'Ouest, au Burkina, en Côte d'Ivoire, voilà, je reprends ces pays dans lesquels j'ai pu circuler, en 2008-2009, on ne pouvait pas communiquer quasiment par téléphone, il y avait beaucoup de ce qu'on appellerait chez nous des zones blanches. Aujourd'hui, quand vous allez dans ces campagnes-là, partout, il y a de la 4G, etc., et toutes les personnes, petits paysans comme agro-businessmen, il y en a quelques-uns, tout le monde est sur la 4G. Et donc, on pourrait dire, bon, super, qu'est-ce que ça change, etc. Ça change quand même pas mal de choses, effectivement, en termes d'information, de se renseigner. Le savoir, c'est le pouvoir, hein, c'est bête de le dire, mais ça existe aussi au niveau local. C'est-à-dire, bah, les gens peuvent se renseigner. Quand est-ce que la pluie va arriver dans des... On est comme dans des agricultures qui sont souvent pluviales, c'est-à-dire pas sur des périmètres irrigués. Donc de voir comment la pluie va arriver, de prévoir ses semis, toutes ces choses-là, en fait, c'est comme en train d'évoluer. C'est pas neutre en termes d'impact sur les trésoreries, etc. Donc ça, je pense que cette question du numérique, de l'accès, de l'information, etc., elle bouleverse aussi les campagnes. L'accès à l'éducation, moi, je pense que les chiffres aussi le montrent, hein. Alors ça dépend des pays, c'est assez différent, mais... Il y a quand même de plus en plus de personnes qui passent après la troisième, qui vont au lycée. À Dakar, il y a une grande université publique qui est en train d'être construite. C'est à l'inverse de ce qu'on peut connaître en France, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a un accès massif à l'éducation, à l'enseignement supérieur qui est en train d'être opéré. Dans les circulations des élites, ce qu'on appelle souvent, il y a beaucoup de Sénégalais qui reviennent après s'être installés dans les universités des Nord, etc. Eh ben, on observe que des universitaires qui ont fait 10 ans de carrière, alors certes c'est un système libéral aux États-Unis, mais viennent se réinstaller dans certaines institutions en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc ça, c'est des signaux quand même qui peuvent faire imaginer, alors je ne sais pas quel type de transition, mais qui montrent que c'est quand même des endroits qui sont en train énormément de bouger, avec voilà, fraction accès à l'éducation, à l'enseignement supérieur, augmentation de la démographie. Donc ça, voilà, ça laisse imaginer en fait, plein de trajectoires assez, je trouve, intéressante à pouvoir étudier à l'avenir, quoi. Bien. Bon, cette transition écologique implique une utilisation croissante de métaux ou de terres rares, comme on dit. Bref, dernier point qu'on va aborder ensemble, c'est cette question de l'extractivisme. Lié à cette transition écologique, qu'en est-il concernant vos terrains? Tu as parlé de l'or tout à l'heure, Denis, qui est aussi un métal nécessaire pour nos smartphones et autres. Hein, bien sûr. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, tout ce qui est, enfin, je veux dire, désolé, un petit point d'histoire, là, tous les empires, empire du Ghana, empire Songhai, empire du Mali, les empires Mongolie, etc., c'était des empires dans les 14, 15e, 16e siècle, etc., qui maîtrisaient déjà, qui avaient une culture de l'or, hein, on le voit encore dans les poids baoulés, qui étaient à l'origine des poids pour peser de l'or. Et tout ça, en fait, est rentré en sommeil pendant pas mal de temps, tout simplement parce que ça ne valait pas le coup d'aller extraire, et encore moins de façon artisanale, cet or-là, quoi. Et donc, tous ces pays, en fait, de la bande sahélienne, ont orienté leur économie après la colonisation, essentiellement sur le coton, un peu sur l'anacarde, mais de façon très, très marginale. Mais beaucoup sur le coton.
Or, en fait, cette agriculture, cette activité ne permet pas vraiment de générer une économie florissante. En revanche, quand les cours de l'or ont recommencé à augmenter sur le cours mondial en 2006, 2007, 2008, on a vu de suite que tous ces anciens sites qui étaient exploités par les populations de façon ancestrale et de façon totalement artisanale, avec des galeries sans été, etc. Enfin, je veux dire, là, il peut y avoir beaucoup de morts là-dedans. Ça a recommencé complètement. Il y a eu un boom absolument extraordinaire à partir de ce moment-là. Et aujourd'hui, l'or, que ce soit pour le Mali, pour le Burkina, est la première source de devises de ces pays. Et ça fonctionne sur un système qui est le même dans les deux pays, c'est-à-dire que c'est des. Généralement, les prospections sont faites par des sociétés canadiennes. L'extraction est faite par des sociétés australiennes, sociétés sud-africaines, éventuellement russes, en tout cas pas françaises, hein, ce qui permet aussi de mettre un peu en évidence quand les gens disent qu'il y a un pillage aujourd'hui de ces pays-là par la France, bon, ils ne savent pas bien de quoi ils parlent. Et à côté de ça, en fait, de ces industries qui sont essentiellement. Aussi comment dire, avec une captation d'une certaine part de la rente forestière, de la rente aurifère par l'État lui-même, il y a tout un tas de petits artisanats d'orpaillage qui s'est remonté en fait, avec toutes les difficultés que ça a, mais ça permet aux gens bah, de pour pouvoir poursuivre à vivre en campagne. Et ça, Voilà. ça, ouais. Et ça, et ce qu'on peut dire sur ces sites d'orpaillage, hein, il y a eu beaucoup, beaucoup d'installations sur toute l'Afrique soudano-sahélienne, de mines industrielles avec des emplois. Et ça, je veux dire comme ça rentre un peu en concurrence avec ce qu'on vous a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez une jeunesse qui cherche à avoir des emplois, pas dans l'agriculture, pour des questions de représentation. L'agriculture n'est pas un métier, ou pour beaucoup, c'est vécu comme ça. Et d'avoir un emploi dans les mines. Au-delà du côté pécunier, c'est aussi un symbole de reconnaissance assez important. Ça, c'est quelque chose qui aussi irrigue vraiment les enjeux actuels, sachant que pour se faire recruter pour les jeunes, c'est extrêmement compliqué. C'est souvent certains types de familles, certains villages qui ont le droit d'accéder à la mine et pas d'autres. Ça génère derrière des dynamiques territoriales assez incroyables, assez. Très inégalitaire, hein, parce que vous avez une grosse manne financière qui s'installe dans des endroits assez paupérisés, etc. Donc ça, c'est un enjeu assez important. Et puis l'autre enjeu aussi qui se traduit derrière ça, c'est la question toujours, moi je reviens un peu du foncier, c'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a des compagnies qui s'installent, c'était pas vide. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait des endroits, des personnes, etc. Et les mines, elles restent qu'un temps. C'est comment aussi ça se traduit, qu'est-ce qui va se passer derrière. Et ça, du coup, c'est bien dur de dire ce qui va se passer derrière ce passage des mines, etc. Il y a beaucoup de. Quand on est dans les campagnes, on voit beaucoup de petits monticules, etc., à l'ouest du Burkina notamment. On sait que c'était des sites qui étaient. Leur paillage très ancien, 14e, 15e siècle, ça, on le voit, etc. Là, on a un système beaucoup plus industriel. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner après derrière en termes de pollution des eaux, etc. Mais ça, on peut avoir quelques inquiétudes quand même. Monde en transition. Peut-être si vous avez des questions. S'il y a des merci à l'un et l'autre, s'il y a des questions, des. La première question la plus dure, alors je me lance, je rends service à tout le monde. Oui, moi je vous remercie pour ces interventions. De façon peut-être un peu plus précise, je pense à. Moi j'avais eu un retour d'expérience sur la Guinée-Conakry. Peut-être que ce n'est pas un pays que vous connaissez très bien, mais en tous les cas, il y a une partie très forestière. Et on me racontait le métier, le côté rituel et familial de créer du charbon, de faire du charbon, c'est un métier, ça crée de la richesse pour la famille, etc. Voilà. Bon, par contre, nous on sait avec le recul, et d'ailleurs quand j'ai recueilli ce témoignage, j'ai évidemment pas parlé bilan carbone.
évidemment, parce que c'est pas le sujet quand on est dans ce type de territoire. Par contre, je m'interroge sur les investissements qui sont faits et toute la transmission d'informations, et parce que j'imagine que l'Union européenne ou d'autres organismes viennent apporter de la formation ou des investissements dans ces pays-là, au travers des mécanismes de développement. Est-ce qu'il y a des alternatives qui sont développées, et si oui, lesquelles, et lesquelles fonctionnent surtout sur le long terme, parce que je suis très sceptique quant aux mécanismes extrêmement complexes qu'il peut y avoir. Je pense à des choses, on ne va pas mettre de l'hydrogène en fin fond d'un pays comme celui-là, hein, parce qu'évidemment ça demande une mécanique, une ingénierie, des pièces, enfin voilà, donc ça c'est des choses. Voilà. Donc quelles alternatives ils ont, et est-ce qu'il y a une volonté, et est-ce qu'il y a une mécanique en place pour transformer ça? Ça c'était ma première question. Et peut-être en amont, en fait, de cette première question-là, est-ce que c'est réellement nécessaire, et où est-ce qu'il faut qu'on appuie? Comme on fait un bilan gaz à effet de serre, où on vient en fait diagnostiquer les différentes sources d'émissions, ce qui vient vraiment impacter sur le territoire le changement climatique, est-ce qu'on est en capacité de dire, eh bien, les plus grands leviers, la priorisation sur des actions, c'est telle action ou telle action? Est-ce que c'est la déforestation? Est-ce que c'est la création du charbon, par exemple? Ou est-ce que j'ai bien entendu que nous aussi en Europe on a déforesté, hein, et donc eux aussi ont une part à avoir, si oui, jusqu'à quel point, en fait, voilà, est-ce qu'on est en capacité de chiffrer, est-ce qu'il y a des personnes qui font ces diagnostics là, est-ce qu'on a des transmissions d'informations, et est-ce qu'on s'en sert pour agir derrière? Voilà, merci, ça fait beaucoup de questions. Je peux répondre peut-être là-dessus? Vas-y. Pas facile, donc je te laisse. non, mais justement, enfin, je veux dire, merci de cette question, monsieur. Je veux dire, il se trouve que j'ai travaillé pendant 8 ans sur les filières bois énergie autour de Bamako. Donc, vous tombez bien. Ce qui est très fort, hein, je veux dire, ça, c'est des modèles spatiaux qui montrent que tant qu'on a une ville qui peut s'approvisionner dans ses abords jusqu'à 50 km, ben, ça va être essentiellement du bois de feu qui va être coupé. Alors, il se trouve que dans ces pays-là, pendant assez longtemps, et ça peut-être Sébastien pourra en dire un mot, on a longtemps vécu sur ce bois énergie, sur les grandes sécheresses de 72, 73, 83, 84, donc des arbres qui étaient morts et qui étaient encore une espèce de vivier, enfin de vivier si j'ose dire, de stock qui restait là pour approvisionner les villes en bois de feu. Une fois que la ville grandit, et ça a été le cas à Bamako dès 2003, on commence à rentrer dans des systèmes de charbon. C'est plus les mêmes, c'est plus le bois énergie ne vient plus en âne ou en charrette, mais il vient en minibus Saviem. Et puis aujourd'hui, la ville est si grande que le charbon arrive par camion entier, par des gros tonnages, y compris de Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment un sujet. Pour répondre à votre question, il y a toujours des tentatives, il y a toujours des gens qui disent oui, mais quand même, bon sang, c'est juste pas possible. Il faut absolument qu'on change les systèmes de cuisson. Donc on est parti sur les foyers du foyer 3 pierres à ce qu'on appelait des foyers améliorés. On a tenté les briquettes de charbon de bois pour réduire à la fois les coûts de transport, mais également l'impact carbone de cette affaire, etc. Et tout ont échoué. Tout ont échoué. Alors, il y a des gens qui me disaient tout le temps, oui, mais parce qu'on n'a pas suffisamment massifié, si on avait envoyé plus de foyers améliorés, ça aurait mieux marché, etc. Non, je ne crois pas. Je veux dire, de tout temps, ça fait partie, comme le Jatropha, comme les diguettes, comme un certain nombre de choses, le foyer amélioré a toujours fait partie du kit des Peace Corps, les volontaires américains qui patrouillent ces régions-là, des curés français et ensuite de leurs collègues africains. Et donc, il y a des raisons culturelles qui sont malheureusement peu étudiées. Selon moi, c'est vraiment un trou dans la raquette de la recherche, qui sont pourquoi est-ce que les femmes n'aiment pas cuire dans un four amélioré, notamment parce qu'elles ne voient pas la flamme. Pourquoi est-ce qu'elles n'aiment pas cuire sur des briquettes de charbon? Parce que ça noircit leur casserole.
Et donc, en fait, il y a tout un tas de raisons qui fait que pour l'instant, la transition du bois énergie, que ce soit du bois ou du charbon, n'a pas encore été faite. Mais c'est pas, comment dire, ce serait pas un drame s'il y avait vraiment une vision de la gestion du stock de forêts et de bois que cela peut produire. Au Mali, au Niger, au Tchad, on a essayé de faire ce qu'on appelait des marchés ruraux de bois, c'est-à-dire des endroits là où des espaces forestiers étaient délimités, là où il y avait un quota qui était défini, il y avait des gens qui avaient une carte de bûcheron agréée pour aller couper du bois dans cet espace-là. En principe, d'abord ramasser le bois sec et éventuellement couper du bois là-dessus. Mais le problème, c'est que, en fait, les gens, les bûcherons, eux, ils vont vers les espèces qui sont les plus denses et qui leur donnent le meilleur charbon de bois. Et que quand on n'a pas une idée de la manière dont on va renouveler les écosystèmes à l'identique, ça ne peut pas avancer. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens vont dire, ben nous, en fait, on a effectivement perdu de la forêt, mais on a planté des forêts d'eucalyptus. L'eucalyptus, ce n'est pas le même charbon, c'est un charbon qui n'est pas du tout apprécié dans ces pays-là. Et c'est un charbon qui n'est pas de la même qualité, quoi. Et donc là où c'est déficient, ce système, ce n'est pas tant la cuisson, au niveau de la cuisson, que de la préservation et de la très bonne gestion, la gestion durable des espaces forestiers. Alors j'étais un peu long, excusez-moi, mais par chance, c'est un sujet que je maîtrise pas mal. Oui, et puis après, sur le. Alors, moi, je ne suis pas aussi fin que ça sur la ressource forestière en charbon, etc. Mais il y a une chose qu'il faut rappeler aussi dans cet enjeu un peu carbone, marché, etc. C'est que le marché carbone confond deux types de carbone. Il confond un carbone qui est fossile, très souvent. Et c'est. Alors, je ne me rappelle plus l'unité exactement, mais donc, quand on fait le budget carbone global, c'est, l'unité, c'est 10. Hein, d'accord. Et il faut savoir que. Quand on coupe un arbre, etc., quand il y a des feux, etc., finalement, il y a une bascule qui se fait entre l'absorption du carbone par la photosynthèse actuelle et ce qu'on brûle, etc. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on parle de réchauffement climatique, etc., ce qui produit le réchauffement climatique, etc., c'est essentiellement le carbone fossile. Et dès qu'on parle voilà, de bois, etc., alors il peut y avoir des problèmes de renouvellement de forêts, de qualité de bois qui sont essentiels, etc., mais... Je pense qu'il ne faut pas non plus, on a tendance à mélanger un peu des carbones qui finalement ne sont pas forcément des mêmes sources et des mêmes dynamiques en termes écologiques et de préservation de l'environnement. Donc ça, il faut être prudent là-dessus. Alors je le dis moi sur un autre sujet, hein, c'est la question des feux qui sont... j'ai beaucoup travaillé sur les pratiques du feu, Denis beaucoup sur la question du charbon. En Afrique de l'Ouest, on brûle beaucoup l'herbe pour la renouveler, pour l'entretien des pâturages. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur il faudrait arrêter de brûler. Parce que ça émet du gaz à effet de serre, etc. Mais sauf que c'est une question qui est compliquée à répondre, parce que oui, il brûle, mais finalement, c'est du carbone qui a été mis par le soleil l'année d'avant, qui rebrûle, etc. Si on ne le fait pas, si aujourd'hui les paysans ne le font pas, etc., ça peut être des risques incendies à long terme non négligeables et qui brûleraient d'autres types de carbone à d'autres mesures. Donc c'est une question qui n'est pas évidente. Et aujourd'hui, je pense qu'on revient, il y a eu la COP28, je suis citoyen là-dessus, je m'exprime en tant que citoyen, mais on a entendu, il y a quand même ce débat-là qui est en train de revenir quand même sur, attention, marché du carbone, ne mélangeons pas tous les carbones dans ce vaste marché, parce que ça pose vraiment des problèmes d'asymétrie derrière de la question de la gestion. Quoi. Et juste une autre, juste avant votre question, et dans les innovations, etc., je ne sais pas si, Denis, tu es dans mon sens, c'est une des choses qui a été faite, c'est la Banque mondiale a beaucoup subventionné quand même une chose. On a parlé du numérique avec les portables, la 4G, etc., réseau décentralisé. On est dans un état très centralisé dans lequel on a nos réseaux de téléphone, nos réseaux, etc. Pour l'électricité, il y a l'explosion moi, que j'ai pu observer dans les campagnes, c'est les petits panneaux solaires. Accès au portable, au frigo, etc., et qui change quand même les qualités de vie en milieu rural de manière non négligeable depuis 10-15 ans. Quand même, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pu observer, voilà, au moins empiriquement. Quoi. Et l'Union européenne, et il me semble que l'Union européenne, oui, a participé à certains financements là-dessus. Ouais. Bonsoir. C'est bien que des organismes de recherche-développement privés ou publics se disent que, au moins des personnes qui y travaillent,
peut-être qu'on a négligé la dimension culturelle. Et ça fait tout l'intérêt des entreprises qui veulent faire du fric, de mettre sur le côté culturel, l'aspect culturel. L'histoire des foyers trois pierres, par exemple, qui est le système traditionnel de trois pierres avec une marmite dessus, c'est toute la symbolique de la stabilité du foyer humain qui vit dans le carré, dans la concession, ou l'unité familiale. Et si on ne voit plus ces trois pierres, qui est le système le plus stable, on a plutôt un trépied qu'une chaise à quatre pieds pour être en stable sur des terrains plus ou moins arrondis. Comment ? Vous prendrez le micro après, madame, si vous voulez. Et je crois qu'on a vraiment négligé ce côté-là, mais au bénéfice des entreprises privées qui cherchent surtout à avoir des matières premières à pas cher. L'intérêt d'avoir des téléphones, parce qu'il faudrait peut-être mettre un peu plus de choses positives quand vous dites, comme dans le titre, il y a préservation et dégradation, mais là, on entend surtout parler de dégradation. Mais on ne va pas inventer pour faire croire qu'il y a beaucoup de choses positives, mais... L'extraction, je me demandais quand vous parliez du Burkina ou du Mali, s'ils le font avec des bâtés. Moi, j'ai vu ça au Gabon où j'ai vécu et travaillé. Le gars a pris de l'eau et des cailloux, il a fait ça. Il a séparé l'or qu'il y avait dans la bâtée, l'espèce de casserole. Et puis il m'a dit, tu veux prendre une photo ? J'ai pris une photo et il l'a jetée parce que ce n'était pas assez pour lui, alors que je voyais des trucs qui brillaient dedans. Mais si c'est fait avec du mercure, et apparemment c'est fait avec du mercure, il ne faudra pas s'étonner, vu l'effet du mercure sur l'eau dite potable, sur les poissons, etc., comme ça se passe actuellement en Guyane et au Brésil, que les gens puissent plus vivre sur place. Et s'ils peuvent plus vivre sur place, soit ils meurent sur place, soit ils essayent d'aller ailleurs. Et pour faire le lien avec ce qui se passe actuellement à Paris, avec une délégation de parlementaires pour définir ce qu'on pourrait accepter comme migration ou pas. Malheureusement, il n'y a pas du tout le débat sur qu'est-ce que nous, pays occidentaux et entre autres France, contribuons à dégrader dans les pays d'origine d'Afrique de l'Ouest, par exemple, et le dérèglement climatique, il va être surtout fort sur le pourtour méditerranéen et le Sahel. Donc des vagues migratoires, il va y en avoir encore. Alors soit on fait des murs de 10 mètres de haut, soit on essaie de voir comment on peut limiter l'impact. Et juste un dernier point, quand on parle d'énergie renouvelable, c'est très fréquent de voir des affiches pour une conférence avec une éolienne, un panneau solaire, et puis de la biomasse, etc. Il manque presque toujours l'illustration d'une énergie renouvelable qui est la plus utilisée en Afrique, c'est l'énergie musculaire. Les femmes pilent 1000 à la main avec leurs bras. Les gens vont à leur plantation à pied avec un ponji, un panier ou un truc comme ça. Et ça, on le néglige complètement. Donc, le bilan de gaz à effet de serre dégagé par le continent africain est dérisoire, même si ça a un certain chiffre. C'est dérisoire par rapport aux pays occidentaux qui prennent un 4x4 de 2 tonnes pour aller acheter les cigarettes à 1 km. J'exagère à peine. Je peux partager certains points de vue. Après, je ne sais pas si c'est un commentaire. Je ne sais pas si je peux réagir plus que ça, si ce n'est partager certains points de vue. Oui, je suis d'accord, effectivement. Après, c'est la question des asymétries. Pour revenir avec vous sur la question de l'énergie. Oui. Pour moi, c'est important aujourd'hui de revenir à l'idée de à la fois des circulations des choses, etc., mais aussi de mettre des coupures, et notamment sur le carbone. Moi, je suis assez attaché à cette idée. Faut revenir à la base des choses. Et il y a carbone fossile, et il y a des carbones qui sont autres, et que c'est important de réfléchir à ça. Alors, on peut remettre l'énergie musculaire effectivement dedans aussi, mais Ouais, enfin juste quand même un petit bémol là, je veux dire, c'est qu'on ne peut pas souhaiter à la femme africaine de piler le mille à vitam aeternam de la manière dont elle le fait. On peut lui souhaiter d'avoir un robot mixeur, on pourrait souhaiter
au bûcheron qui vient à la ville au petit matin, en se levant à 4 heures du matin, bah, d'avoir plutôt une petite voiture, bon, éventuellement électrique. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie quand même des axes de développement qui sont pour moi tout à fait souhaitables. C'est de sortir de, justement d'une mécanisation manuelle des choses vers des choses un peu plus confortables pour leur dos, pour leur santé. Mais j'entends que je comprends tout à fait le discours, il n'y a pas de souci là-dessus, effectivement. Oui, alors du coup, j'avais une question. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était très intéressant. Vous avez parlé des défis, notamment de l'agriculture et du potentiel développement et vers quoi ça pourrait aller et ça devrait aller. Vous avez aussi parlé de la transition vers le numérique, etc. Mais il y a quand même deux points clés là-dedans, c'est notamment la fin de l'abondance énergétique. Donc c'est quand même une condition nécessaire. On va avoir de moins en moins de pétrole. Donc déjà, forcément, ça ne pourra pas se faire de manière aussi linéaire que ça a pu se faire dans les pays occidentaux. Et d'autre part, surtout le réchauffement climatique, enfin, comme le disait monsieur avant moi, je veux dire, l'Afrique va connaître de plus en plus, même si on arrive à tenir nos objectifs, un nombre de jours par an où on ne pourra même pas mettre le nez dehors parce qu'en fait, le corps n'arrivera même plus à réguler la chaleur. Et du coup, on parle beaucoup effectivement d'immigration massive, mais du coup, il n'y a pas une angoisse sur le terrain simplement de vis-à-vis de l'avenir et de se dire en fait on a intérêt à tout simplement partir. Il n'y a pas ce phénomène là qui émerge. Tu veux répondre? Non mais vas-y toi, ok d'abord. Alors sur les enjeux sur l'Afrique de l'Ouest subsaharienne, effectivement, ça va être une des régions du monde qui va être les plus impactées, etc. Mais l'impact du réchauffement climatique ne va pas que se traduire par une hausse des températures et une suffocation thermique, etc. Elle se traduit aussi déjà par des pluies parfois plus abondantes, plus irrégulières, mais aussi plus abondantes. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de cours d'eau depuis notamment 2007-2008 qui enregistrent des crues en fait, qu'on n'avait jamais observées auparavant. Des saisons de pluie un peu décalées. Donc, voilà, c'est ça qui est en train de se jouer aussi. C'est pas que l'augmentation de la température, c'est aussi ça. Après, la question des migrations, ce qu'on appelle un peu les réfugiés climatiques, elle est toujours très délicate, je trouve, de mon point de vue, parce que elle se fait toujours dans des sociétés qui sont structurées socialement. Ceux qui partent, ceux qui restent, c'est très lié à des idéaux, à qui est-ce que je suis rattaché, à quelle famille, etc. Y compris dans les années 82-83, quand il y a beaucoup de sociétés saliennes qui ont migré plutôt vers le sud, au Burkina, etc. Bon, c'était pas n'importe qui, c'était des personnes qui étaient souvent marginalisées dans leur société au départ, etc. Donc elle est dure, votre question, à répondre de manière globale, en fait, sur moi, à titre perso, j'ai jamais... je pars au moins une ou deux fois par an en Afrique de l'Ouest, j'ai jamais eu ce retour sur des entretiens de jeunes, pourtant j'en fais pas mal, sur je veux partir sur des questions de réchauffement climatique, etc. Je veux partir pour accéder à l'éducation, je veux partir pour accéder à une meilleure vie, etc. Oui, ça on l'a, j'ai mon cousin qui est en Espagne, etc. Ça, oui, ça. Mais pour des raisons et des motivations purement climatiques, moi je ne l'ai pas recueilli à ce jour. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais voilà, en tout cas, c'est là-dessus que je m'exprimerai. Ouais, moi, je vais aller tout à fait dans le même sens. Hein. Elle est un peu compliquée, votre question, pour un ensemble de raisons. C'est-à-dire que, d'abord, la variabilité climatique, les Sahéliens, c'est leur, c'est leur quotidien. C'est leur année, quoi. On ne sait jamais trop. Enfin, je vous ai parlé tout à l'heure des grandes sécheresses 1972-73, 83-84. C'est un quotidien, c'est-à-dire que chaque saison, et depuis probablement que le monde est monde, ben, ils regardent quand est-ce que viendront les premières pluies, quand est-ce qu'ils doivent semer, quels risques ils prennent s'ils sèment à telle date, est-ce qu'ils doivent pas attendre un petit peu plus que la saison soit plus avancée, quand est-ce que la saison va s'arrêter, est-ce qu'il va y avoir des coups de vent, etc. Ça, c'est quasiment au quotidien. Et aujourd'hui, et malheureusement, ils ont d'autres préoccupations que la variabilité et le changement climatique. C'est des risques sécuritaires, c'est une difficulté tout simplement à vivre sur des territoires, quoi. Donc c'est malheureusement, c'est pas leur préoccupation. Enfin,
J'allais dire presque oui. Malheureusement, ce n'est pas leur préoccupation principale. S'ils n'avaient que ça dans la vie, ce serait formidable pour eux, quoi. Bon, moi, je vais intervenir là et je vais même boucler le... C'est exactement ce qu'ont dit Sébastien et Denis. La relation entre réchauffement climatique et migration internationale est impossible à démontrer. Il n'y a pas de corrélation et il faut arrêter de se bourrer le mou. Le réchauffement climatique crée des mobilités, crée des migrations, mais essentiellement internes. Éventuellement des pays, d'un pays à un autre, limitrophes, Éthiopie, Kenya, ou etc. Qui migre ? Et en particulier, nous, quand on pense migration internationale, réchauffement climatique, on pense à nous, pays d'accueil, l'Europe, quoi. D'accord ? Bon, ceux qui viennent en Europe, c'est ceux qui sont, c'est ce que disait Denis tout à l'heure, c'est les jeunes qui sont dans les villes, ou c'est ce que disait Sébastien, c'est ceux qui sont à l'université de Dakar. D'accord ? Il faut les moyens pour migrer. Il n'y a aucune relation entre le réchauffement climatique et la migration. D'accord ? Alors peut-être à deux ou trois générations. Là, on peut peut-être en discuter. C'est-à-dire que, allez, un bon réchauffement climatique dans la zone soudano-sahélienne, les paysans, ils envoient tous leurs gosses à Dakar, à Bamako, etc. Et puis le petit-fils, une fois qu'il est cadre ou col blanc et qu'il n'est plus paysan, comme tu disais tout à l'heure, Denis, lui, peut-être, il va avoir l'idée d'Europe, quoi. Mais ça, c'est peut-être dans 30 ans, dans 40 ans. Donc c'est un effet indirect. Il n'y a pas de relation directe entre réchauffement climatique et migration internationale. Ça, c'est à l'échelle hyper locale, éventuellement. Donc là, c'est des études de terrain. Nous, à Migrinter, ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on est cher. Alors, on a des étudiants qui nous arrivent tout de suite. Là, ils veulent faire un mémoire ou un doctorat sur... réchauffement climatique et migration internationale, on a dit, va d'abord sur le terrain. Vois entre le Kenya et l'Éthiopie, vois entre la Bolivie ou tel plateau qui est, y a des problèmes de sécheresse, etc. Et ils reviennent, ils migrent à la ville. Voilà, donc on a des déplacements internes, mais on n'a pas de migration internationale. Donc cette idée-là qui a été lancée il y a une quinzaine d'années au niveau de l'Union européenne, pour faire un petit peu bouger l'Union européenne, hein, en disant, waouh, si on ne se bouge pas sur le réchauffement climatique, on va avoir 250 millions de migrants qui vont débouler aux portes de l'Europe. Voilà, c'était une instrumentalisation pour qu'on avance sur les questions environnementales. Hein, mais voilà. Alors oui, d'accord, relèvement du niveau de la mer, typhon, enfin ouragan, ça appelez ça comme vous voulez, au Bangladesh. Donc oui, on va avoir des Bangladais qui vont migrer. Mais d'abord, ils vont aller sur les espaces de collines au Bangladesh. Puis après, ils traverseront la frontière, ils iront en Inde. D'accord ? Mais ils n'iront pas plus loin. Okay. Voilà, donc... peut-être... Attendez. Je pense pas du tout à l'Union européenne. Et même, à partir du moment où, vu qu'on est les principaux responsables du réchauffement climatique, moi, je... Il n'y a aucun problème au fait. Mais moi, ce qui me peut. Enfin, toutes les cartes et les études, je parle des gens qui connaissent un peu le sujet, comme Jean-Marc Jancovici ou des choses comme ça, qui. Pourquoi vous faites. Allez-y. Il y a quand même des cartes qui montrent que les gens ne pourront pas, vraisemblablement, puisqu'on n'est quand même pas sur des trajectoires où on va réussir à atteindre nos objectifs, il y a quand même beaucoup de cartes qui montrent que l'Afrique, en tout cas, sera. Je parlais juste d'une angoisse potentielle sur le terrain, mais je comprends tout à fait ce que vous avez dit. À savoir qu'en fait, il y a tellement d'urgence court terme pour eux qu'en fait, effectivement, le réchauffement climatique, c'est encore trop loin. Mais effectivement, enfin, la quantité de sécheresse et tout, et le fait qu'ils ne pourront plus forcément mettre le nez dehors d'ici même quelques dizaines d'années, je veux dire, c'est quand même ça pourrait être une source d'angoisse pour eux, sur le terrain, j'imagine, hein, même si, effectivement, je pense qu'ils ont d'autres problématiques à l'heure actuelle déjà. Mais je me disais, quand même, est-ce que ça ne commençait pas à émerger vis-à-vis de... cette connectivité qu'ils ont de plus en plus de ces sujets-là, pour leur propre survie, en fait, dans quelle mesure on... Non, mais il y a éventuellement réchauffement climatique, exode rural, etc. Oui, mobilité, je nie pas. Il faut faire attention aux mots, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser migration, parce qu'on entend, nous, dans nos têtes, internationales, donc il faut dire mobilité. D'accord ? Ou alors, éventuellement, un mot qui n'est plus à la mode maintenant, on disait migration interne. D'accord ?
ou exode rural, là aussi c'est un petit peu des termes surannés maintenant, là, un peu has-been. Mais voilà, donc oui, je nie pas ça, je dis simplement qu'il faut faire attention à l'idée de international. Enfin, je veux dire, un paysan sahélien, bangladais, pakistanais, enfin, n'importe quel endroit où ça chauffe, quoi, et où les récoltes, dire oui, il va trouver 7000 euros pour migrer, quoi. Ça peut être que le jeune urbain, enfin, donc le fils peut-être d'un paysan, enfin, on est d'accord. Et peut-être pour rebondir un peu dans cette discussion, c'est aussi, alors ça a été dit tout à l'heure, la dimension culturelle, ou je dirais la dimension socioculturelle, sans enfermer les Africains ou certains habitants des pays d'Afrique dans certaines pratiques, etc. Mais je pense que ce qui est important sur la mobilité, sur, on a parlé de transition, etc., c'est aussi comment dans ces pays-là, la mobilité, elle n'est pas perçue du tout de la même manière que nous, telle qu'on a été construit dans une métropole française, etc. Et ça rebondit un peu sur ce que disait Denis, c'est la variabilité climatique. Je pense qu'il y a une bonne partie des sociétés ouest-africaines qui... ça fait vraiment partie, finalement, de leur mode de vie. Alors, si ce n'est pas le leur, au moins, ils ont pu observer depuis très longtemps comment les pasteurs ils bougent, comment... Même dans les histoires de famille, on comprend, il y a des mobilités extrêmement importantes. Les jeunes, ils restent dans le village, on pourrait se dire tout le temps, etc. Non, en fait, dès qu'ils ont un certain âge, ils vont expérimenter des choses, ils testent pour partir à quelque part. Ils reviennent souvent, mais il y a vraiment des pratiques de la mobilité qui sont hyper importantes dans ces campagnes. J'ai peut-être une autre question, mais c'est peut-être trop tard. On a parlé un peu de l'héritage colonial, etc. Il y a quand même de ce que j'en sais, mais peut-être une nouvelle forme de... On parle beaucoup d'une nouvelle forme de colonisation plutôt économique, notamment le rôle de la Chine et de la Russie, qui est quand même de plus en plus prépondérant. Comment ça... Est-ce que déjà c'est réel sur le terrain parce que, et aussi, du coup, quel est l'impact, en fait, sur... la structure économique et sur les modes de développement et comment les populations voient ces pays-là de leur point de vue. Une question. Tu te lances, Denis, ou je me lance? Ah non, mais là, je vais quasiment botter en touche, monsieur, là, vous posez une question qui est extrêmement complexe. D'abord, il n'y a pas que la Chine et la Russie qui sont dans une forme de néocolonisation économique, hein. La France a sa part, les intérêts économiques des uns et des autres sont quand même importants, y compris dans des groupes qui ont eu des filiales nationalisées, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, hein, pour les entreprises de Palm, etc., Palm CI ou autres. Il y a souvent des grands groupes industriels français derrière. C'est pas pour rien que l'armée française est toujours en poste à Abidjan. Et la dernière des bases est encore là, quoi. Voilà, enfin, c'est une question extrêmement complexe, parce qu'évidemment, pour rien vous cacher, moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Hein. Quand j'étais petit, l'ivoirien, c'était le planton. Il y avait ce qu'on appelait les 1000 métiers d'Abidjan. Le Haoussa était commerçant, le Guinéen était... agriculteurs, etc. L'Ivoirien, il faisait rien. Mais la Côte d'Ivoire, en fait, au Fouette-Boigny, on a fait quelque chose qui fonctionnait. Et là où il a fait une classe secondaire, qui est pour moi extrêmement importante, parce que c'est aussi le ferment de la démocratie, d'avoir une classe de gens qui sont pas au top niveau, mais qui ont une éducation, qui ont une classe secondaire, qui ont des aspirations à une vie démocratique. Hein. Et ces gens-là, en fait, ils sont rentrés dans le tissu économique et commercial aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est important, mais malgré tout, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est quand même un archétype, qui était le prototype même de la France-Afrique, hein, il y a quand même des relations encore avec les grands groupes industriels qui est quand même très très forte. Quoi. Voilà. Après, dans les pays sahéliens, et quoi que disent un certain nombre de personnes, pour moi, l'influence française est extrêmement modique, pour dire les choses de façon très crue. Aujourd'hui, si la France... retire tous ses intérêts des pays sahéliens, il se passera quasiment rien pour eux. Aujourd'hui, je l'ai dit, l'or est tenu par des pays tiers. L'uranium, la mine d'uranium d'Arlit a été quasiment vidée. Et aujourd'hui, c'est le quatrième fournisseur d'Areva, le premier étant l'Ouzbékistan, etc. Donc, c'est,
ça va, ça vient, quoi. Je veux dire, quand vous parliez de la Russie, aujourd'hui, ça peut prêter à sourire, parce que la Russie est très, très peu présente en Afrique, si ce n'est en Centrafrique, là où ils commencent à tenir les brasseries qu'ils ont volées, on va dire, au grand groupe Castel, pour en faire leur. Mais ils sont très peu présents, quoi. Je veux dire, là, aujourd'hui, l'essentiel du tissu industriel, c'est pour, on va dire, les BTP, la Chine dans certains pays, la France, dans les pays anciennement colonisés par la France, les grands groupes sont encore très présents. Voilà, avec des alliés aujourd'hui un petit peu différents, des investisseurs, parfois du cru. Et heureusement que ça change un petit peu à ce niveau-là, parce que, bon, voilà, moi, dans la Côte d'Ivoire de mon enfance, tous les patrons étaient blancs. Hein. Ça a changé quand même un peu depuis. Oui, ça a beaucoup changé. Et puis la démographie, l'évolution, les projections économiques, etc., font que ces pays-là se positionnent aussi différemment, et heureusement, par rapport, par rapport à la France et aux autres pays coloniaux. Donc ça, c'est quand même beaucoup... ouais, ça change quand même pas mal, oui. Et je suis d'accord, les intérêts économiques de la France là-dedans, ils pèsent plus grand-chose. Et la structuration, moi, je veux dire, institutionnelle, territoriale, etc., elle est encore très héritière de cette phase-là, mais dans les fonds économiques et dans les dynamiques à venir... effectivement, ça pèse pas forcément grand-chose. Ouais, puis les chiffres sont ensuite libres. Hein. Je crois que là, aujourd'hui, la France, c'est le sixième investisseur seulement en Afrique. Hein. C'est pas grand-chose. Bien, merci à tous les deux et à tous les trois, même Philippe, pour l'animation de cette table ronde. Il y aurait plein d'autres questions à vous poser, mais on va clôturer pour ce soir. Et le prochain donc, rendez-vous pour poursuivre sur cette question des mutations du monde sera sur la part du sauvage. Donc là, c'est une table ronde qui aura lieu le 17 janvier avec Léna Ballot, qui a une formation d'ingénieur agronome, qui a écrit un livre qui s'appelle « Nous ne sommes pas seuls », collection anthropocène, justement, aux éditions du Seuil. Et elle sera en discussion avec Farid Benamou, qui est un géographe de l'Université de Poitiers, qui a travaillé sur le retour des grands prédateurs. Et l'idée, c'est justement d'interroger le partage du territoire. Voilà, quels sont les enjeux, quelle part on laisse aux sauvages et qu'est-ce qu'on y met derrière. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre présence et vos questions. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.